Ces résultats n'ont pas été consolidés par la commission centrale de la CEI. C'est un hold-up électoral. Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats... C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous voulons que vous le notiez pour, tout, pour toute de la De l'Agnébi, du Zikomoué. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud-Komoué. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les résultats... Monsieur Bamba Yacouba se prévaut de son titre de porte-parole. Oui, vous pouvez me laisser parler au moins. Nous avons, nous sommes réunis depuis ce matin pour donc consolider les résultats. Vous laissez ça là. On n'a pas consolidé ça. Il faut laisser ça. Vous avez vu que les commissaires sont venus déchirer ces résultats. Ces résultats ont bel et bien été donc consolidés par la CEI. Depuis plusieurs jours, des centaines de militants de la majorité présidentielle déployés dans les zones CNO dans le cadre des opérations électorales du second tour de l'élection présidentielle, sont victimes de harcèlement, de violences physiques, de menaces de mort, d'attaques et de destruction de biens par les forces armées des forces nouvelles FAFEN. La majorité présidentielle réitère sa ferme condamnation des graves dérives des FAFEN et du RDR, à qui elle impute la pleine et entière responsabilité de toute violence survenue avant, pendant et après le scrutin du 28 novembre 2010.